Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un cadeau, je rêve, non? Hey, 15 graines de panais. Wow! A démarré Mère Lewis. En fait, je l'avais jamais ouvert ce truc, c'est ça? C'est ça le délire, les gens? Vous allez me dire? Ah, point d'interrogation. Pour commencer, cultiver et récolte un panais. J'avais zappé un truc ou c'est moi qui rêve? Bon, là actuellement, on n'a pas de place pour mettre les panais, écoutez, donc on va pas les planter, mais on va les garder sur nous. Donc, on va les foutre là, les panais. Moi, j'aimerais bien faire la hache dans cet épisode, en vrai, pour pouvoir récolter les gros morceaux de bois, histoire de faire une quête. Alors, quelqu'un t'a déposé à la clinique la nuit dernière. Ah oui, je l'avais lu au dernier épisode. Ouais, ça, on se souvient. Allô, la boîte aux lettres, qui ne répond pas? Bon, ah, c'est pas grave. Bonjour, madame. Non, 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 on mange pas une fraise, on veut les ramasser. Uniquement. Non, 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 monsieur. Hop! Mais non, mais. Mets-moi ça à vendre. Hop! Est-ce qu'on en a d'autres sur nous? Yes! What the fuck? Rien ne se passe comme on veut, les amis! Hop, voilà! Alors, donc, il va falloir qu'on arrose tout ça. Ah, attendez, avant, on va regarder tout ça. Plus bas dans la mine. Il faut qu'on atteigne au niveau 40. Donc, on n'a déjà pas atteint le niveau 10. Il faut que 25 minerais de cuivre collectés. Il faut amener ça à Clint. Donc, le panier, j'en ai plein de plantés ici que je devrais ramasser bientôt. Je pense. Alors, est-ce qu'on va réussir à ouvrir la boîte ou pas? Ah voilà. Demain, nous nous rassemblons tous pour la danse de la fleur. Si tu trouves un partenaire, tu pourras même participer à la danse. Il y a une petite clairière après la forêt à l'ouest de la ville. C'est là que ça aura lieu. Arrive entre 9 et 14 heures si ça t'intéresse, Mère Lewis. Ok, donc on est invité à un événement. Bon, pas mal, écoutez les amis, on ira voir. Du coup, la dernière fois, il fallait qu'on aille amener du minerai à Clint. Moi, ce que je veux faire, c'est la hache. Donc, je sais qu'il va falloir que je fasse cuire des trucs. Faut que je prenne le cuivre dans la main, c'est ça? Yes. Bon, écoutez. Donc, la dernière fois, j'avais pris tout ça pour pouvoir faire des sandwichs. On essaiera d'en faire. Alors, je vous garantis rien, mais on va tenter. On va aller en ville. On va aller voir ce qui se traîne et on va aller voir au niveau de chez Robin pour voir un peu les tarifs des différentes choses qu'elle peut vendre. Parce qu'en dehors de la maison qui a 4000, j'ai pas vu autre chose. Donc je vais essayer de voir ce qu'il y a un peu parce qu'apparemment il faut faire un silo, je sais pas trop quoi, pour pouvoir, en gros, quand on ramasse de l'herbe et tout, faire du foin pour les animaux. Donc ça serait la première étape à faire, je pense, pour pouvoir avoir des élevages. Donc on va tenter de se faire ça. Et j'aimerais bien faire la hache, voilà, comme je vous ai dit dans l'épisode. Donc il faut qu'on attende que les cultures poussent. Donc, à défaut, on va aller voir un peu ce qui traîne. On va aller au bord de la mer, voir un peu s'il y a des choses à ramasser pour pouvoir vendre. Et on va passer chez Clint avec le cuivre qu'on a pour voir si y a moyen de faire la quête qu'il nous avait donnée. Hop, là il n'y a rien. Ah, non, ça c'est le totem. Il n'y a rien à ramasser, ils sont sérieux, ils sont méchants avec moi là. Le jeu, sois sympa avec Hello. Allez, sois de toute bonté, mon ami. Hop, un corail. Oh, nice, celui-là, il a une étoile. C'est si bon. Yeah. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui traîne ou pas? Non. Bon, allez, on va passer chez Pierrot, voir un peu s'il y a quelque chose d'inscrit devant la boutique. Donc, on sait que la prochaine journée, il y a la danse de la fleur, là. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Écoutez, on va voir comment ils dansent et tout, les petits PNJ, là. Mais ça devrait être sympatoche, je pense. Ah, il n'y a rien qui traîne par ici? Non, il y a Lewis. Bon, allez, on va aller voir, notre ami Clint. Ah, il y a une dent de lion, là. On prend, on prend. Hop là. Ah, j'adore la musique de ce jeu. Alors, on va aller voir Clint derrière le comptoir. C'est surtout ta quête. Ouais, Clint, j'ai ta quête à te rendre. Tu ne la veux pas?
J'ai plein de cuivre. Bon. Améliorer outil, donc la hache 2005. Ok. Bon, bah voilà, rip. On a perdu notre temps. Clint nous donne rien, les amis. Bon, pourtant, je les ai, les morceaux de cuivre sur moi, quoi. Attends, c'est pas les minerais qu'il veut? Ah si, 25 minerais de cuivre. Faut bien en ramasser d'autres? Je ne comprends pas trop, là, les amis. Bon. Alors, c'est parti. On va aller voir un peu. Ah, il y a Alex. Attendez. La plage est un endroit sympa pour se reposer et bronzer un peu. Ouais, c'est clair. Merci. Bon, écoutez. Au moins, je vais donner une petite fleur, écoutez. Alors, qu'est-ce qui traîne? On va chez Robin, on va aller voir les tarifs pour voir un peu le silo, tout ça, les élevages pour les animaux. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais faire. Donc ouais, c'est pour ça qu'il me faut la hache en vrai, pour pouvoir casser les gros troncs. Donc voilà pourquoi je veux à tout prix la hache. Chez Robin, c'est là-haut normalement. Robin, t'es où, copine? Ah, elle est là, ma copine. Elle est dans... C'est par ici, chez elle. Hop! Elle est pas là, Robin! On peut pas savoir les tarifs! Elle est jamais là, Robin! Alors, Robin n'est pas là, donc c'est pas grave. On part. On va rentrer à la maison, du coup, je pense. Au prochain épisode, on se fera. Là, je veux vraiment la hache. Au prochain épisode, on ira dans la mine encore. On essaiera de récupérer du cuivre, voir si ça ira à Clint. Parce que j'ai l'impression qu'il manque Clint par rapport à ça. Oh, il y a Ellie! Salut les! Joli maquillage. Attends, tu en as mis au moins? Oh la petite peste. La petite peste, les amis. C'est une petite peste, là, elle est, hein. On va pas se mentir, hein. Tu en as mis au moins? Non, mais quelle petite pouffe, celle-là. Bon, allez. On va aller arroser, écoutez. Et on va aller se ramasser du bois et faire cuire notre cuivre et tout, tranquillou. On va y arriver. Alors. Donc on prenne... Ah oui, on va mettre à vendre ça. Allô, le jeu. La jonquille, je la garde. Il faut qu'on arrose tout ça aussi. Alors là, ça va être encore autre chose. Donc on en a deux. 3, 4. Il va nous manquer du. Il va nous manquer, les amis, du. Ah! Je perds la tête. Il va nous manquer du charbon. Donc, comme il va nous manquer du charbon, il faudrait qu'on casse du caillou. Alors, on va. J'arrose un peu, les amis. Je vous reprends après. Alors, les amis, j'ai arrosé déjà les deux premiers champs. Là, je vais vraiment m'occuper de casser un petit peu. De cailloux histoire d'avoir du charbon parce que si on veut vraiment faire la hache dans cet épisode, voilà, il nous faut de l'argent et surtout le cuivre. Donc au pire, on passera, il y aura une journée où on n'aura pas arrosé, mais au moins le panier sera poussé, je pense. Hop, donc on a la fête de la danse à 9h dans la clairière à l'ouest. Donc on essaiera d'aller là-bas voir ce qui s'y passe. Nice, on a eu un charbon, c'est plutôt cool. On va être bien. Alors que vous voyez que la hache pourrait casser ces gros troncs-là et avoir le bois massif. Donc on pourra se permettre justement d'aller faire la quête au niveau des Geminos. Donc c'est pour ça aussi que je veux à tout prix ça. Et j'ai la voix qui part un petit peu. Hop, hop. Hop. On va se casser un autre arbre. Ah, quoi qu'on est mal. On est mal, on est mal niveau énergie. Tac, tac. Hop. Non, mais... Je me suis fail, je me suis fail, fail, fail. C'était de toute beauté. Alors, repose-moi mon fourneau. Il veut pas reposer mon fourneau. Non, ils sont sérieux. Alors... Hop, mets-moi à cuire ça.
Alors, on va continuer à arroser, vous savez quoi? Mais clairement, ouais, l'arrosage, c'est vraiment la misère dans ce jeu. Parce que ça vous bouffe toute votre énergie. Et niveau énergie, bah, on est mal, quoi. On commence déjà à fatiguer. Ah, je déteste ça. Allez, va dodo, hello. On va se coucher, les amis. Oui, on va faire dodo. Bon. Bah, 1003, et ben on a assez pour la hache, les amis. Oh, c'est génial. Mais il y a la fête du printemps qui va nous enquiquiner, je pense. Je sais pas quelle heure ouf clean, par contre. Yes, on a tous nos panais à ramasser. Ouais. Oh, trop cool. Regardez, on va se faire du fric à gogo. En plus, on en a plein que des étoiles. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Yes! Oh, c'est trop bien. Non, on est ravis, les amis. On est ravis, ravis, de chez ravis. On a nos premières pommes de terre. Oh, génial. Alors, vous savez quoi? On va arroser notre... Mais non, mais arrose pas dans le vide, bon sang! On va juste arroser nos pommes de terre vite fait ensemble parce que c'est pour ça qu'elles n'ont pas poussé, je pense. Apparemment, le fertilisant reste, hein, j'ai l'impression. Il va falloir qu'on investisse dans le fertilisant. Mais apparemment, il a l'air assez efficace. Ah, on n'a plus d'eau, attendez. On n'a plus de flotte. On va voir combien ça va nous rapporter tout ça. Mais voilà, on a assez pour notre hache et c'est top. Hop! Allez. On va essayer d'arroser un peu tout ça. Dommage qu'ils pleuvent pas, tant mieux pour leur fête. Mais en vrai, pour moi, c'est problématique. J'ai pas mis d'eau à mon chien, les gens. Oh, je suis un mauvais maître. Enfin, une mauvaise maîtresse, du moins, je veux dire. Oh mon dieu, mes pauvres bêtes. Tiens, voilà de l'eau, mon toutou. Désolé. Désolé, désolé, copain. Allez, j'arrose un peu, je vous retrouve après. Alors les amis, on se retrouve, donc c'est parti, on va aller voir Clint pour pouvoir avoir notre hache. On a assez d'argent, donc... Ah oui, j'ai qu'à regarder la palourde et ça. Bon, ça, vous savez quoi, on va les vendre. Pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut pour faire de la cuisine, donc dans tous les cas, vaut mieux que ça nous rapporte de l'argent que de le garder, quoi. Hop, allez, c'est parti, on va voir Clint. Ah, mais il est déjà 9h, mon... Ah, mais peut-être que Clint, il sera pas chez lui, du coup. Eh ben, on va aller à la clairière d'abord. Allez. C'est parti, donc à l'ouest. Donc je suppose qu'il faut que je descende par là-bas en bas. La clairière doit être plus par là. Alors on va traverser notre terrain si on y arrive. Hop, allez. En tout cas, on a ce qu'il faut pour la hache. Et ça, c'est vraiment cool. Hop, allez, l'eau, traverse tout ça. Bah mince, elle est où la sortie? Ah, voilà. Elle était trop loin. Bon. Oh, yes. C'est là? Leur fête? What? Mais ils sont où? Salut les copains, vous êtes où? Ah, y a Harvey, regardez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Baril Floride, la jonquille, un épouvantail et tout. Ouais, non, on s'en fiche. On veut pas de tout ça. Ah, salut, ouais, Emily. Non, 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 où est-ce qu'il est, Ah, mais il est où celui à qui on parle d'habitude? Ah, il est là, Alex. Ah, il nous a fait un vent, les amis! Wouah, trop cool, on a eu un vent! Ah, mais non, il est là, Harvey, c'est lui. Je rassemble le courant nécessaire pour demander à quelqu'un d'être mon partenaire. On se prend que des vents! Ah, les amis, c'est de toute beauté. Je pense que ça vient du fait que, on n'est pas encore de cœur avec tout le monde. Si regardez, on a un cœur avec les gens, mais à mon avis, il en faudrait deux, vous voyez, pour pouvoir être amis avec eux, on va dire. Enfin, plus qu'amis, on va dire. Oh là là, la loose.
Allez, on va discuter un peu avec tout le monde. L'amour est dans le pré et je suis toujours célibataire. Oh, pauvre Marnie. Qu'est-ce qu'elle va encore nous dire, elle? Je m'exerce un peu, ça doit être parfait. Super, Miss Prout Prout. Eh, je vais l'appeler comme ça, vraiment, les gens. Miss Prout Prout. Ça lui va bien. Je travaille sur cet arrangement floral depuis une semaine. Tu aimes? Bah oui, c'est super beau, mamie. Tu travailles bien. Eh, on va voir un petit papy qui râle. Des fleurs. J'arrive à peine à les voir. Oh, le petit salopio. Hop. La sauce est excellente. Nickel. Régale-toi, mec. Ah tiens, c'est Lisa, je crois. Ouais, c'est ça. Salut, hello. Heureuse de te voir ici. J'ai mis ma plus belle chemise pour la danse. Ce genre de choses n'arrive pas tous les jours. Nice. Bah alors, quand est-ce qu'elle commence leur danse, qu'on les voit danser? Parce que moi, clairement, j'ai pas de partenaire. J'aurais dû amener ma canne à pêche. Tu m'étonnes. Alors, c'est qui, lui? Celui du saloon. Ouais, c'est ça. La saison des grenouilles approche. Nice. Allez, Sam, tu sais quoi? Je l'admets, j'aime vraiment les fleurs. Ah bah, nice, écoute. Oh, lui, je l'aime pas. Ouf, Sébastien. Abigail, je déteste danser devant tout le monde, c'est gênant. Allez, Caroline. J'aimerais que Pierre passe plus de temps avec la famille. Jody, tu vas danser aujourd'hui, hello? Bah non, j'ai pas de partenaire. Elle a l'air sent si bon avec toutes ces fleurs. Ouais, tu m'étonnes. Ces anciennes danses printanières étaient jadis des rituels de fertilité. Ah ouais. Tiens, il y a Clint. Je me demande si Emily voudrait danser avec moi. Bah propose-lui, mec. Un jour, je serai la reine des fleurs. Bah tu peux pas être la reine des fleurs, t'es un garçon. Il faut que je lui parle à lui pour que la danse commence, c'est ça? Bon, devrions-nous commencer? Ah, d'accord, fallait que je parle à Mister Lewis. Alors, on va regarder la danse. C'est parti. Lol, regardez comment il danse. C'est trop cool. Regardez ça, c'est trop cool. Avec la petite musique qui va bien et tout. Sympa. Il n'y en a pas beaucoup qui dansent au final. C'est déjà fini? Ah ouais. C'était amusant, il est temps de rentrer. Grave, 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 grave. Non, il est déjà 22h, ils sont sérieux. Oh, on pourra pas avoir notre âge dans cet épisode. À cause de la danse des fleurs. Bon, on va finir d'arroser quand même. On a de l'énergie, donc autant l'utiliser. Oh, mais je suis déception. Ouais, laissez-moi le temps de finir d'arroser, là. Histoire que je perde pas ma journée. Ah, oh, j'aurais dû faire tout ça avant. Ah, on n'a plus d'eau! Allez, arrosons, arrosons, les amis! Hop! Allez, go! Dépêche-toi, hello! 23h10, les gens, faut qu'on soit bientôt couché. J'espère que la prochaine journée, dans le prochain épisode, il pleuvra, histoire que je sois tranquille. Il pleuvra? Ouais. Bon, bref. Hello, parle pas bien la France. Allez. Ouh, on est fatigué. Je rigole. Bon, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. On a deux petites journées de fête. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant de Stardew Valley. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.